tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog sur le thème de travailler avec les contes de fées. Et là j'ai pas mal de jeux assez différents. Il y a des tarots, il y a des oracles et il y a des jeux qui ne sont même pas des tarots ou des oracles, mais que je peux quand même utiliser quand j'ai envie de me plonger dans ce thème. Alors, il y a d'abord le tarot enchanté que je vous ai montré il n'y a pas tellement longtemps, je ne sais plus à quelle occasion, donc de Amy Zerner et Monty Farber. Avec ce livre-là, bon, j'ai plus le coffret parce qu'il était tellement abîmé que je l'ai jeté. Mais j'ai gardé le livre et les cartes. Et donc, vous avez la carte en grand comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment sur le thème un petit peu des contes, même un peu oriental pour certains. Et dans le livret, vous avez chaque fois le rêve. Et le rêve, c'est une histoire en fait. On vous raconte carrément une histoire. Et après, vous avez des conseils de signification. Et puis, vous avez encore un rituel en fait. Et ça, vous l'avez pour chaque carte. Donc, vous voyez, là, vous avez le rêve. Donc, le rêve, c'est l'histoire. Vous avez le réveil, c'est plutôt la signification de la carte. Mais vous pouvez déjà trouver des significations, évidemment, dans l'histoire. C'est ça qui est intéressant avec les contes de fées. C'est que vous allez trouver des réponses à votre questionnement directement dans le conte. Et puis, vous avez un rituel, un enchantement, un rituel. Alors, je vous montre les cartes. Elles sont très, très belles. On le trouve encore assez facilement en anglais, celui-là. En français, c'est plus compliqué, mais il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, j'avais encore vu passer un exemplaire sur Vinted qui était un prix, je veux dire, habituel pour un tarot, quoi. C'est des grandes cartes de tarot. Voici le dos. C'est du carton, mais épais, donc la qualité, elle est bonne, parce que c'est déjà un jeu ancien. Regardez, c'est un grand format, hein. Voilà, par rapport à une carte de tarot normale. Donc, oui, comme je n'ai pas la boîte, je vous redis aux quelles éditions. C'était aux éditions Solar. Et celui-ci, il date de septembre 1991. Donc, 1991. Donc, vous voyez, c'est vraiment un très, très, très vieux jeu. Et en fait, il a été créé en 1990, donc en anglais. Mais je vous dis, il n'y a pas très longtemps, j'ai encore vu passer un exemplaire sur Vinted. Et donc, voilà le genre d'illustration, moi je le trouve magnifique. C'est pour ça que je l'avais acheté. Bon, bien sûr, il y a un grand cadre blanc, mais c'est un vieux jeu, donc à cette époque-là, il y avait des cadres quasiment, je pense, sur tous les jeux, en fait. Et notamment parce que les imprimeurs n'avaient pas les techniques qu'on a aujourd'hui, hein, pour aussi calculer les dimensions par informatique et par... relié directement aux machines et tout. Et donc, en fait, le cadre, c'était une sécurité pour que l'illustration soit en entier sur la carte, en fait. Donc, voilà. Mais après, les techniques évoluant, les machines dans les imprimeries étant reliées directement à des ordinateurs maintenant, c'est différent. Mais avant, à cette époque-là, c'était encore tout à fait manuel. Et donc, c'est pour ça qu'ils mettaient des cadres autour des cartes. Alors, un autre jeu, un oracle. Ça va être un peu dans le désordre. C'est l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu. Vous voyez, plongé au cœur des contes merveilleux. Je pense qu'il est encore dispo sur son site. Moi, je l'avais acheté d'occasion, celui-là. Je lui en ai acheté plusieurs directement sur son site.
elle est super, Émilie. Elle est hyper rapide. Les frais d'envoi sont hyper raisonnables. Ces jeux sont d'une qualité exceptionnelle à des prix. Je ne sais même pas comment elle fait. Je vous dis franchement, quand j'entends certains créateurs qui disent on ne peut pas faire des jeux auto-édités à des prix, machin. Mais je ne sais pas comment Émilie, elle fait, mais elle le fait. Pourtant, la qualité, elle est bonne et elle imprime en France. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle le fait. Et si ces jeux vous plaisent, je vous invite à aller faire un tour. C'est Soins et Guérison, son site. Je ne sais pas s'il est là. Mais je pense que si vous tapez Émilie de Dieu, vous allez trouver. Mais je ne sais pas si je le vois son site quelque part ici. Non, elle ne le met pas. Mais en tout cas, ces jeux sont super. Mais vraiment super. Donc, elle met toujours les introductions, les présentations, les mots-clés, les tirages sur des cartes. Donc, c'est génial, je trouve. Parfois, pour certains jeux, elle fait un livre à côté. Ils sont très bien faits. C'est génial, en fait, ce qu'elle présente. Vraiment. Donc là, vous avez une présentation. Là, vous avez les différents contes sur desquels elle s'est inspirée. Donc, le créateur, Belle au bois dormant, Peter Pan. Oui, mais il y en a un côté, la légende du roi Arthur, Pinocchio, réponse. Enfin, vous voyez, je ne vais pas vous les lire tous parce que ça va faire beaucoup. Et puis, il y a des cartes avec des tirages. Et puis, on a les cartes comme ceci avec l'illustration, le titre de la carte et des mots-clés. Alors, les jeux d'Émilie, ce sont des jeux couteau suisse. Vous pouvez faire de la prédiction, vous pouvez faire de la guidance, vous pouvez faire du développement personnel et spirituel. Ils sont vraiment, mais vraiment, mais vraiment super, ces jeux. Vraiment. En plus, j'adore son style graphique. Qu'elle sait en plus adapter à chacun de ses jeux. On retrouve toujours sa patte, évidemment, c'est normal. Elle a sa patte d'artiste, mais elle sait adapter. Ici, on est dans des contes de fées, donc ça va être un peu plus choupinou que sur certains autres jeux. C'est logique. Je la trouve vraiment extra. Vraiment, vraiment, vraiment extra. Donc, ce jeu, une pépite. Les tranches sont toujours neutres. Et donc, ça ne s'abîme pas. Alors, un petit Lenormand. Le Fairy Tale. Donc, de Lisa Hunt et écrit par Arwen Lynch. Donc, avec un petit livret, évidemment, c'est un petit Lenormand. Donc, il a taille petit Lenormand. Hein. C'est une petite boîte métallique. C'est des petites cartes. Et vous avez chaque fois à l'intérieur du livret, vous avez le conte duquel c'est tiré. Vous avez la correspondance cartomancie et vous avez des mots-clés. Mais ça, c'est les mots-clés classiques du petit Lenormand. Donc, celui-ci, il est surtout intéressant parce que vous pouvez faire une corrélation avec le conte. Et puis, bah, évidemment, c'est les illustrations de Lisa Hunt. Donc, bon, voilà, il est super. Celui-ci, il est toujours disponible, au contraire de certains jeux de Lisa Hunt. J'en ai un autre que je vais vous montrer qui, malheureusement, n'est plus disponible. La qualité, ça va, mais ce n'est pas exceptionnel. C'est un US Game, mais il est déjà assez ancien. Je trouve que la qualité US Game est meilleure maintenant que à l'époque. Donc voici le 2. Alors, un oracle d'un conte particulier, Alice au Pays des Merveilles, donc de Lucy Cavendish, illustré par Jasmine Beckett Griffith. Alors, il y a
le pochon. Et ma boîte est un peu abîmée parce que je l'ai acheté d'occasion. Et il est arrivé dans cet état-là. Donc il n'était pas en super bon état. Mais je l'ai gardé quand même. Et puis, voilà. Ça ne m'empêche pas de l'utiliser. Alors, je le trouve vraiment très chouette. Il y a à chaque fois, vous avez le titre, vous donne déjà un élément de réponse. Et vous avez encore une phrase en dessous déjà pour, voilà. Qui suis-je ? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Il est vraiment génial, je trouve, ce jeu. Par exemple, vous êtes rare et libre. Vous êtes merveilleusement unique. Je le trouve vraiment super. Vous voyez là, on a plusieurs mots-clés. De plus en plus curieux, on a découverte, enquête, étrangeté, curiosité. Et donc on plonge vraiment dans le conte hein, d'Alice, ici jamais de confiture aujourd'hui par exemple, promesse qui ne se réalise jamais, mot creux, ne pas vivre dans le présent. Donc vous voyez, ça peut être autant prédictif que totalement guidance. Par exemple, ça peut vous dire attention, méfiez-vous, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait une promesse qui ne va pas encore se réaliser parce que ce n'est pas une personne de confiance. Ou alors, ça va vous dire vous n'êtes pas dans le moment présent. Et ça pourrait être intéressant pour vous de vous replonger dans le moment présent. Alors celui-ci, je le trouve génial à utiliser déjà sans le livret, rien que les cartes. Et vous avez encore dans le livret tout un développement, évidemment, par Lucy Cavendish. On connaît Lucy Cavendish. Donc, vous avez évidemment le titre de la carte, la petite phrase qui est aussi sur la carte. Vous avez un extrait d'Alice. Vous avez le message développé par rapport à la carte. Vous avez vraiment de la divination et vous avez la carte inversée. Vous avez ça pour toutes les cartes. Et vraiment, je trouve que c'est une pépite ce jeu. Une pépite, vraiment. Et celui-là, un petit peu au contraire des autres, je trouve que même les illustrations de Jasmine Beckett Griffith, j'arrive à les interpréter plus facilement. Parce que moi, j'ai du mal avec ces illustrations. Je les aime beaucoup. Mais je n'arrive pas à interpréter les expressions des personnages, sauf dans ce jeu. Voilà, donc pour se relier à Alice au Pays des Merveilles. Alors j'en ai un autre, l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. C'est un de ceux qu'on voit le moins et moi, c'est un... Avec celui d'Alice, c'est le seul que j'ai de Jasmine Beckett. Non. Si, le seul. Ce sont les deux seuls que j'ai de la collaboration de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett Griffith. J'ai aussi le tarot qui a été illustré par Jasmine Beckett Griffith, mais qui a été fait par je ne sais plus qui, mais pas Lucy Cavendish. Et j'ai un oracle que Lucy Cavendish. Que Jasmine Beckett Griffith a fait avec quelqu'un d'autre qui est sur les esprits de l'eau et que j'ai pris puisque j'ai un gros lien à l'eau. Alors celui-ci, voici le dos, je l'adore mais je ne peux pas l'utiliser sans le livret par contre. Alors parce que vous avez un mot clé, mais je trouve que ce qu'il y a dans le livret est tellement plus riche. On peut, hein, on peut probablement le faire. Mais moi, je ne le fais pas, très honnêtement. Parce qu'il y a tellement de choses dans le livret que je passerai fatalement à côté de quelque chose. Je vais vous montrer le livret. Donc, dans le livret, il y a toute une introduction déjà sur les contes de fées.
Donc ça, c'est vraiment très bien. Vous avez tout ça d'introduction déjà. Donc c'est pas mal. Après, vous avez le message des cartes. Donc, vous avez le nom de la carte, qui est généralement le nom du compte. Vous avez le mot-clé. Vous avez un extrait du compte. Et puis, vous avez un développement sur la carte. Mais alors, c'est génial. Déjà là-dedans, vous avez souvent 4-5 pistes à creuser. Et vous avez encore les thèmes, ici. Résumé. En phrase clé. C'est moi je trouve cet oracle, c'est une merveille. Vous avez ça pour chacune des cartes. Pour chacune des cartes. Il est enfin moi je trouve c'est une pépite ce jeu. Et on ne voit pas souvent. Moi j'ai pas tous les autres, vous savez, les métamorphes. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils sont pas bien. Hein. Les autres jeux hein. Mais moi je les ai pas, mais celui-ci je l'ai et je le trouve génial. Bon, je suis en train, je suis à la recherche de mon cordon là pour faire un petit pochon. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Un tarot, j'ai le tarot des mille et une nuits, donc illustré par Léon Carré de chez Los Carabeo. Alors celui-là, je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Mais je le trouve magnifique. On a évidemment le petit livre, le petit livret de Los Carabeo. Donc vous avez la partie en français. Bon bah, une petite introduction. Et puis bah, vous avez juste des mots-clés, hein, comme dans ces petits livrets-là. Juste des mots clés, mais parfois ça peut être bien. Et vous avez juste voilà, vous avez un tirage. C'est toujours le cas. Vous avez un tirage dans ces petits livrets là. Alors voici le dos. Il est très très beau. C'est un très très beau jeu. C'est pour ça que je l'ai acheté. Enfin moi je, personnellement je le trouve très beau. Non mais vous voyez, je l'ai jamais utilisé. Il est toujours dans l'ordre. Je l'ai acheté d'occasion, mais neuf. On voit, les cartes sont... elles n'ont jamais été utilisées, en fait. Et je le trouve très beau, c'est pour ça que je l'ai acheté. Oui, un jour, je l'utiliserai. Hein. Ça me prendra comme ça un jour, je dirai, ah, il faut que je prenne ce tarot-là. Et j'irai le chercher, et je sais qu'il me parlera à ce moment-là. Mais c'est vrai que je l'ai déjà depuis un bon moment pourtant et je ne l'ai jamais utilisé. Quand je vous dis un bon moment, c'est il y a plus d'un an je pense. Voire deux ans. Je ne sais même plus. Je ne pourrais pas vous le dire. Je ne sais plus du tout quand je l'ai acheté. Alors, un autre. Un petit oracle. Il y a le petit oracle des contes merveilleux de Sylvie Lavoie. Il est super cet oracle. Vous avez le titre du conte et vous avez chaque fois un petit message. Je le trouve génial. Vous n'avez pas d'illustration évidemment, donc le dos est comme ceci. Mais les messages sont géniaux. Et soit vous pouvez aller rechercher éventuellement la carte qui correspond au conte sur lequel vous choisissez, vous travaillez, pour avoir peut-être... un angle de vue supplémentaire, ou alors vous en tirez une au hasard et vous voyez si par exemple c'est le même compte ou bien si ça vient compléter, donc si ça vient renforcer éventuellement ou ça vient simplement compléter quoi. En tout cas il est génial et on peut l'utiliser tout seul aussi, hein, y a pas de souci. Alors qui n'est pas vraiment un oracle. J'ai le Story World Christmas Tale. Je vous l'avais montré dans mes jeux de Noël, je pense. Donc, qui a été fait par contre des gens qui sont dans le domaine de la cartomancie, donc John et Kathleen Matthews. Vous avez un petit livret qui vous parle
d'un conte. Évidemment, c'est en anglais, ils n'ont pas été traduits, ces jeux. Et je ne pense pas qu'ils le sont, parce que déjà en anglais, on a du mal à les trouver. Je pense qu'ils ne sont plus édités. On a des grandes cartes. Et c'est un jeu qui est fait pour raconter des histoires, en fait. Donc, si vous avez envie, à un certain moment, même simplement d'écrire, ou de vous raconter des histoires, ou de raconter une histoire sur votre situation, ce sont des jeux qui sont géniaux. Vraiment géniaux. Donc, j'ai celui-là sur Noël. Et au dos de la carte, vous avez déjà des pistes aussi pour raconter des histoires. Alors, j'ai aussi Magical Toy Box. Donc, qui n'est pas vraiment sur le thème de Noël, mais que j'ai tendance à sortir quand même aussi au moment de Noël. Parce que bah, c'est sur le thème des jouets, donc évidemment... Vers la fin de l'année, ça parle bien. Mais il n'est pas, c'est pas Noël. Hein. C'est vraiment le jouet. C'est la boîte à jouets, en fait. Et donc, même chose, vous avez... c'est vraiment une grande source d'inspiration avec tous les détails. Ça répond très très bien aux questions. Je les ai déjà testées, puis je ne suis pas la seule à le faire. Et pareil, dans le petit livret, vous avez toute une description qui peut vous donner des pistes. Et j'ai encore, je crois que j'ai que ces trois-là. Bon, j'ai sorti que ces trois-là. J'ai le Haunted House, donc qui est plutôt... Alors celui-là, c'est comme ça. Sur le thème d'Halloween, enfin c'est la maison hantée, donc c'est plus la période de Halloween. Donc vous avez évidemment toujours le même petit livret, hein. Voilà, bon, il n'est pas présenté en colonne, mais c'est la même chose. Et voilà le genre de cartes. Ils sont tous très 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 beaux. Alors il y en avait d'autres, je ne les ai pas pris, je regrette de ne pas les avoir pris parce que maintenant on ne les trouve plus. Il y avait d'autres thèmes. C'est dommage parce que c'était des jeux qui étaient vraiment pas chers. Il n'y a pas énormément de cartes, donc ils n'étaient pas très chers. Les cartes, elles sont assez fines, mais elles sont plastifiées, donc elles sont quand même de bonne qualité. Et je regrette de ne pas avoir pris les autres. Je sais qu'il y en avait, je pense, sur le thème de l'eau. Enfin, je sais plus. Parce que c'était des jeux qui coûtaient, regardez. Ça coûtait 9 $. 9,99$, donc il devait être à une dizaine d'euros. Et voilà, mais je ne savais pas qu'à un moment on les trouverait plus. Donc moi j'ai ces trois là. Alors, un autre oracle bah, basé sur des contes, c'est l'oracle des bardes de Célia Mélesville et de Marie-Noël Anderson, enfin, illustré par Célia Mélesville. J'ai regardé récemment une. Vidéo de Célia justement sur laquelle elle répond une fois aux questions et ça y est elle dit Mélesville, donc j'en déduis que son nom se prononce Mélesville et donc maintenant je n'hésiterai plus, je dirai Mélesville parce que elle dit un moment je suis Célia Mélesville ou je m'appelle Célia, enfin elle le prononce. Donc je vous l'avais montré aussi au moment de Noël je pense celui-là avec un très beau dos. Voilà, avec de très belles illustrations de Célia. On a le titre du conte. On a un arbre à chaque fois qui correspond. Et puis, évidemment, dans le livret, vous avez tout le conte. Je vais vous montrer quand même le livret pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu. Il est encore dispo, celui-là, je pense, hein. Il est chez Contredire, je crois. Oui, Contredire. Alors, vous avez un gros livre. Puisque vous avez la carte en grand, vous avez donc le titre de la carte, vous avez l'arbre auquel ça correspond, vous avez toute l'histoire, donc tout un conte. Vous avez la structure du conte, vous avez un petit paragraphe sur
l'arbre pour chaque carte. Donc là, vous avez le cheval ailé, néflié, vous avez le conte, vous avez la personnalité, là, vous avez un défi et vous avez la structure de nouveau et le paragraphe sur le conte. Et donc ça, vous avez pour chacune des cartes. Et vous voyez, c'est un livret relié, ça j'aime beaucoup parce que au moins, on peut les ouvrir et ça ne s'abîme pas. J'apprécie énormément parce que les livrets collés, ils sont difficiles à ouvrir et si on les ouvre, ils se décollent. Ou alors, ils ne tiennent pas ouverts et c'est énervant. Parce que moi, comme j'aime bien décrire avec le livre à côté de moi, ben, je ne peux pas faire les deux parce que sinon, le livre, il se referme. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Je vais mettre un peu autrement parce que là, je vais tout faire s'écrouler. Voilà. Alors, j'ai pas fini. Hein. Ça va être très long, celle-ci. J'ai évidemment que je vous avais montré aussi dans le vlog de Noël les contes de l'âme du monde de Frédéric Lenoir, illustré par Laure Philippon. Là, vous n'en avez que 22. Mais ils sont magnifiques. Le livre est magnifique. Vous avez l'illustration en grand. Et vous avez le conte, vous avez une phrase clé, déjà apprendre à distinguer l'essentiel du superflu. Et après, vous avez qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Donc, vous avez une réflexion liée au conte qu'on vient de lire. Donc, par exemple, prendre le temps de savourer la vie. Il y a le petit conte, la petite histoire. Et après, est-ce que tu équilibres bien ton temps entre des activités utiles et des activités de plaisir et de détente? Donc voilà, tout en couleur, il est très très beau. Les cartes sont magnifiques. Ce sont de grandes cartes. Voilà, avec le dos comme ceci, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le trouve très très beau. Et puis, bah, les illustrations, elles sont magnifiques. Vraiment un très très beau jeu. Je pense qu'il est encore dispo partout et il n'est pas très très cher. En même temps, vous avez que 22 cartes, donc c'est pas un gros jeu quoi, hein. C'est pas un oracle de 80 cartes, mais voilà, il est ouais, quand même à 23,90, 23,90. Bon. On a des oracles avec plus de cartes qui sont à ce prix là. C'est vrai. Un tarot. Tarot des princesses de chez Los Carabellos. Je ne pourrais pas vous dire, je pense qu'il n'est plus édité non plus, celui-là. Avec le petit livret. Donc, c'est le même genre que celui des Mille et Une Nuits. Donc, voilà la partie en français. Mais ici, ce que j'apprécie, c'est que on vous dit de quelle princesse il s'agit. Donc, ça, c'est vraiment chouette. La princesse, ou en tout cas, là vous avez quand même la papesse Jeanne, enfin vous avez en tout cas à quel personnage c'est rattaché. Et vous l'avez pour toutes les cartes, même pour les mineurs. Ça, je trouve ça génial. C'est très, très, très précieux. Et vous avez évidemment un tirage. Carte de présentation. Celui-là, je l'ai déjà utilisé. Voici le dos que j'aime beaucoup dans le style ancien. C'est très, très beau, je trouve. Et je me rappelle que... et d'ailleurs, j'avais remis cette carte-là parce que je pense que j'en ai déjà parlé. Je vais tirer cette carte-là dans un tirage. Et donc, le roi d'épée. Et je sais que je me questionnais sur... ma problématique du moment, et je vais tirer cette carte là et ma fille l'avait vue, elle m'avait dit ben, qu'est-ce que tu fais maman, tout ça, parce qu'il y a déjà un bon moment, hein. Et, et je lui dis ben, je me fais un tirage sur mon problème du moment. Et alors elle regarde la carte et elle me dit ben, maman, je crois que ton problème du moment, c'est que je laisse traîner toutes mes affaires par terre. Et j'étais mort de rire parce que, ben oui, ça en faisait partie.
n'y avait pas que ça. Mais vous voyez, il y a des livres par terre, là, des livres ouverts, des choses qui sont mises par terre. Alors évidemment, ce n'est pas du tout dans la signification du roi d'épée, on est bien d'accord. Mais ma fille, elle avait mis le doigt dessus. Rien qu'avec l'illustration. Pareil, là, vous avez les cadres, eh bien, ils ne sont pas suspendus au mur, c'est pas logique. Je veux dire, normalement, voilà, donc ça fait un petit peu bazar. Et ma fille, elle avait détecté que mon problème du moment, c'est, enfin, un des problèmes du moment était que il y avait toutes ces affaires partout. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Enfin, elle a fait des gros efforts dans les parties communes parce que j'étais très très ferme dessus, mais dans sa chambre. Mais bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que je voulais vous raconter cette anecdote pour vous montrer à quel point un jeu, un tarot comme ceci, par exemple, celui-ci, il y en a d'autres, hein, peut vous parler par des détails, par le choix de l'illustration qui a été fait par les créateurs. Ça peut carrément vous donner des indices sur votre situation personnelle. C'est pour ça que moi, j'adore d'avoir beaucoup de jeux de tarot. Par exemple, celui-ci, vous voyez, on voit sur l'illustration un bichon. Eh bien, ça pourrait très bien me parler du bichon que j'ai eu. J'en ai eu deux. Donc, peut-être que ça pourrait être en lien avec le bichon que j'ai eu. Vous voyez? Je le trouve vraiment. Ce sont des jeux qui ont un intérêt énorme, je trouve. Et en plus, on peut aussi se relier aux personnages qui figurent dans le petit livret, justement. Aussi, parce que ça aussi, ça peut donner des pistes d'interprétation. Donc, c'est vraiment très, très chouette, je trouve. Ce genre de jeu, moi, j'aime beaucoup avoir ce genre de jeu dans ma collection. Alors, celui-là, on fera après. Des jeux qui n'ont pas été conçus pour normalement tirer les cartes. Donc, un jeu de société qui s'appelle Il était une fois. C'est un jeu de cartes pour raconter des histoires. Vous avez même la règle du jeu et tout. Moi, je ne m'en sers pas comme un jeu de société. Il y a beaucoup de cartes. Vous allez voir, elles sont très chouettes. Alors, il y a deux catégories. Ça. Donc vous avez des phrases, voilà, pour faire la fin ou le milieu ou le début du conte. Je crois que ça c'est les dénouements. C'est les dénouements ça. Et puis vous avez des cartes qui vous donnent par exemple, voilà, interruption. Un aspect pour peut-être aussi utiliser comme aspect idiot. Voilà. Là, vous avez des lieux, des événements. Vous voyez. Puis là, vous avez voilà, des sentiments plutôt. Là, vous avez des personnages. Et on peut vraiment trouver des réponses à son questionnement. En tirant les cartes. En plus, je trouve que les illustrations, elles sont vraiment très, très, très jolies. Toutes ces illustrations-là, celles où vous avez vraiment des éléments, vous voyez, c'est très, 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 très joli. J'aime beaucoup. Je trouve très, très, très bien fait. Et on peut vraiment s'en servir en divinatoire. Et évidemment, on est plongé en plein. Dans les contes de fées, évidemment. Donc, celui-là, je pense qu'il est encore dispo partout. S'appelle Il était une fois. Moi, je crois que je l'avais acheté quand même d'occasion. Mais, oui, ça, c'est les cartes de fin. C'est écrit d'ailleurs là. Mais moi, je mélange tout le jeu hein, quand c'est comme ça.
Et je peux éventuellement dire, eh bien ça va être la situation finale de mon tirage. Je crois qu'il était apparu dans ma recherche une fois chez Vinted parce que vous avez 160 cartes en format tarot. Et donc, je sais pas, je vois pas le prix. Mais c'est un jeu qui ne, je pense qu'il ne coûte pas très cher. Et je crois qu'il est encore disponible. Alors, le tarot des 1001 contes. Donc de Francis de Bizerre et peint par Christian Estrade. Alors, on a un livret d'utilisation. Donc, c'est aussi un jeu pour raconter des histoires, mais on peut aussi s'en servir comme un oracle, si vous voulez. Ben, pas comme un tarot, par contre. Hein. Là, vous n'allez pas retrouver les archétypes du tarot. Mais vous allez retrouver des personnages qui peuvent vous inspirer vraiment des histoires et qui peuvent répondre tout à fait à vos questions. Alors celui-là, je n'ai pas beaucoup utilisé, donc je ne pourrais pas trop vous dire... Je crois que je n'ai utilisé qu'une fois. Je ne pourrais pas trop vous dire s'il fonctionne. Je l'ai acheté à un moment où j'ai acheté plusieurs jeux de ce type-là. Et puis, j'ai testé les autres un peu plus. Et puis, celui-là, finalement, j'ai fini par le ranger parce que j'ai racheté d'autres choses. Donc, il faudra un jour quand même que je le reteste. Alors celui-ci par contre il n'est plus édité et des fois je l'ai déjà vu passer à des prix assez assez effrayants pour un jeu qui à la base devait pas coûter très cher, je pense. Je sais pas si je vais pouvoir le trouver. Il est assez vieux, imprimé en Espagne. Bon, je vois pas de prix. Il est vraiment très vieux. Vous voyez, la boîte elle est hyper abîmée, mais bon, les cartes sont pas abîmées. Donc voilà, moi j'avais acheté d'occasion. Un autre tarot de compte. Donc c'est aussi un jeu pour plutôt un jeu société. Vous voyez, 5 familles de 20 cartes. Le but du jeu, c'est la construction d'histoires. Mais comme tous ces jeux-là, on peut évidemment les utiliser en tirage et ça va vous parler. Et c'est un petit peu comme comme celui de Il était une fois. Je trouve les illustrations très très chouettes. Donc, vous avez le même dos pour toutes les cartes, celui-là, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Mais vous avez diverses choses. Vous voyez, vous avez là juste un petit personnage, comme ça. Vous avez, voilà, vous avez des personnages, des scènes. Là, vous avez des chiffres. Là, vous avez une couleur. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations. Et ça peut vraiment vous parler comme un Dixit peut vous parler, en fait. Comme on peut utiliser un Dixit en tirage, en guidance, en prédiction, en divination. C'est pareil, en fait. C'est pareil. Ils ont été conçus pour raconter des histoires, mais il faut savoir qu'un tirage vous raconte votre histoire du moment. Et donc, fatalement, ça marche. Ça fonctionne. Donc ici, on a beaucoup d'objets. On a des animaux, on a des paysages. Je trouve qu'il est vraiment très, très beau. Moi, que je me le ressens. Peut-être comme modèle à copier à l'aquarelle ici, parce qu'il y a des petites choses assez simples qui me plaisent bien. J'aimerais bien essayer de les reproduire. Donc voilà, tarot de compte. Alors celui-là, je ne pourrais pas vous dire s'il est encore dispo ou pas. Je n'en sais juste rien du tout. Il est... quelles éditions j'ai trouvé.
J'en sais rien, c'est Méa. Voilà, il est écrit à Mayotte. Dans le cadre des activités de loisirs éducatifs menées par l'association CMEA. Voilà, je ne peux pas vous dire si on peut encore se le procurer. Moi, je l'avais acheté d'occasion. Je ne sais même pas où on peut. Regardez, il date de 2013. Donc, vous voyez, il a 11 ans déjà. Donc voilà, et le dernier, c'est le tarot des contes de fées de Lisa Hunt. Je n'ai pas la boîte, je l'ai acheté comme ça. À une période où on pouvait encore l'avoir à un prix, enfin, on va dire. C'est le jeu que j'ai acheté le plus cher, pour avoir juste les cartes et le livre en plus, même pas la boîte. Mais maintenant, il se revend, je ne pourrais plus l'acheter quand je vois les prix, c'est des 500-600 €. Je n'ai pas payé ce prix-là, mais c'est quand même le jeu que j'ai payé le plus cher de ma collection. Maintenant, je le voulais vraiment. Je suis quand même contente de l'avoir parce qu'il devait ressortir en anglais. Il n'est toujours pas ressorti. Donc voilà. Alors, le livre est une mine d'or parce qu'on a le compte. Chaque fois, vous avez le compte de la carte. Vous avez à quoi ça correspond. Vous avez des fois la carte, elle est renommée. Vous avez à quoi ça correspond. Vous avez le compte. Vous avez l'origine du compte. Vous avez des mots-clés. Et vous avez le compte ici. Et puis vous avez encore le symbolisme et les significations. Et ça, vous l'avez pour chaque carte, y compris les arcanes mineures. On va les regarder. Donc voilà, vous avez le 6 d'épée. Donc vous avez le conte, l'origine, les mots-clés, vous avez l'extrait du conte ici, puisque bon, c'est Blanche-Neige, vous avez un extrait, hein, et vous avez symbole et signification. Donc voilà, le livre, c'est une merveille. Je regardais, il date de 2009. 2011 pour la traduction française. Il n'est pas si ancien. Il a quand même été drôlement vite épuisé, ce jeu. Mais il a été épuisé parce que je crois qu'il n'a jamais été repris par une édition française. Il est chez Ada. Donc, c'est une édition Ada. Et c'est un des jeux qui n'a pas été repris, par exemple, par Exergue. Ce qui est parfois le cas. Exergue réédite en France les jeux de chez Ada et alors on les trouve. Il y a une beaucoup plus grande diffusion, je pense, chez Exergue et il réimprime beaucoup plus que Ada. Je pense que c'est pour ça que ce jeu n'est plus disponible. C'est dommage. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont réussi quand même à le trouver encore d'occasion. Je pense qu'il y en a qui l'ont payé. Moins cher que moi, et ils ont eu la boîte. Mais bon, voilà, je l'ai, je le garde, je suis heureuse de l'avoir. Alors, celui-là, je le travaille qu'avec le livre, parce que je trouve que des fois, l'illustration comme ça, et même le compte, c'est parfois pas évident, je trouve, à le raccrocher à la signification du tarot. Et donc, c'est un tarot que je vais plutôt utiliser en oracle. Tout simplement. Et je viens de me souvenir à l'instant que j'ai un autre jeu à vous montrer. Et je vais aller le chercher. Parce qu'il est sur le même thème et c'est aussi un tarot. Et je vais aller vous le chercher parce que celui-là, il est encore disponible. Vous n'avez pas les illustrations de Lisa Hunt, mais il est quand même pas mal. Et en tout cas, le livret, je pense qu'il vaut autant le coup que celui de Lisa. Donc, le voici. Je vais voir comment je peux faire.
faire parce que le coffret est énorme. Donc, ce sont les cartes de l'enfant intérieur de Isha Lerner et Marc Lerner. Donc, une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. Il a été illustré par Christopher Guilfoyle. Il est aux éditions Souffle d'Or. Et le coffret qui est en vente actuellement, j'aimerais bien me le trouver, mais plutôt d'occasion, je pense, parce que, si j'ai bien compris, le livre qui est fourni avec le coffret actuel est un livre qui avait été réécrit à côté de ce coffret-là. Et il est encore plus complet que le livre que j'ai ici, qui est déjà très, 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 très complet. Alors, je vais bouger le coffret parce que on ne va jamais y arriver sinon. C'est un jeu qui est assez cher. Regardez, à l'époque, il était déjà à 35 euros. Je pense qu'il est certainement encore au même prix. Bon, après, ça commence à devenir le prix d'un tarot. Mais on va regarder l'année. À l'époque, un tarot ne coûtait pas ce prix-là. Donc, voilà. 1992, donc en français 1997. Donc c'est vraiment un vieux jeu, un ancien jeu, ce qui n'enlève rien à sa valeur, mais vous voyez 35 euros à cette époque-là pour un jeu, c'était quand même un fameux budget. Donc je pense que la boîte est bleue. Maintenant, alors le livre est très 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 bien fait et si j'ai bien compris, le livre qui est fourni maintenant est encore plus complet. Donc on a toute le sommaire évidemment, un remerciement, un avant-propos et donc il y a toute une préface sur les contes de fées, sur le symbolisme, etc. Des contes de fées. Il y a différents tirages. Je voulais vous montrer les cartes. Donc, il y a des tirages. Ce livre est vraiment déjà très bien fait. Voilà, Arcane majeure, introduction. Vous avez le tableau avec les correspondances. Donc, vous avez une correspondance zodiacale. Vous avez une correspondance avec ce que vous pouvez travailler en vous. Vous avez le nom de la carte, c'est-à-dire le nom du compte. Voilà, donc vous avez le nom de la carte, donc le nom du compte. Vous avez évidemment le compte. Et vous avez vraiment une analyse du compte par rapport à la carte du tarot. Et puis vous avez plus vraiment un message comme vous auriez dans un autre tarot. Et vous avez la correspondance du tarot traditionnel. Et vous avez encore là, on vous rappelle, la planète. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Et puis ben, dans les suites, il y en a qui ont été renommées, je sais. Là vous avez les baguettes. Donc, c'est les bâtons, vous avez les épées. Ça, ça n'a pas été renommé. Vous avez les cœurs pour les coupes. Et vous avez les cristaux pour les pentacles ou les deniers. Voilà, puis il y a encore une bibliographie. Donc, le livre, il est déjà très, très, très complet. Mais apparemment, l'autre livre est encore plus complet. Donc, je pense qu'un jour, je le verrai passer l'occasion et je l'achèterai. Voici le dos. Bon, tout simple, violet comme ça. Les cartes sont assez fines, elles sont très grandes. Alors, il faut aimer, mais c'est très coloré, c'est assez enfantin, mais c'est vraiment intéressant. C'est intéressant pour travailler sur les contes de fées, évidemment, et pour travailler sur le rapport entre les contes de fées et le tarot. Et celui-ci, je trouve que le rapport à l'archétype du tarot est plus évident
que dans le jeu de Lisa Hunt. Alors, ce n'est que mon avis personnel, bien sûr. Mais moi, j'ai pas eu trop de mal à retrouver dans ce jeu vraiment le rapport au tarot, alors que dans le jeu de Lisa Hunt, je l'utilise plus en oracle. Mais celui-ci me paraît plus évident à utiliser même en tarot. Voilà, les cartes de l'enfant intérieur, ils portent toujours le même nom. Et je vous dis, je pense que la boîte est bleue maintenant. Mais vous pouvez encore le trouver celui-là, au contraire de celui de Lisa Hunt. Donc si vous aviez envie d'un tarot, parce que c'est un tarot, même s'il ne s'appelle pas tarot. Moi j'ai des tarots qui ne sont pas des tarots, enfin, des jeux qui s'appellent tarots qui ne sont pas des tarots. Et celui-ci ne s'appelle pas tarot et néanmoins c'est un tarot. Donc oui, certes un peu particulier, mais c'est un tarot. Il y a la correspondance avec tous les arcanes et elle est, selon moi, c'est que mon avis, pertinente. Voilà. Pour ce long vlog sur le travail avec les jeux, sur le thème des contes de fées, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là, que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.